Arrivé à l'asile, le soldat Sardin a sorti la coupe du militaire. Voilà. La coupe du soldat. Vraiment. Voilà. Ouais. Voilà. La coupe de la chimio. Et sinon, ouais, t'en as pour combien de temps de chimio là? Échauffement charbonnaire. Notre numéro 1. Futur retraité. Mario. Alors que Jérôme Bessin nous fait grâce d'un coup absolument fabuleux. Refais-la. Alors que Jérôme Bessin nous gratifie d'un coup absolument fabuleux, c'était point direct sur Sarda, bon, on peut dire que c'est Sarda. Bon, il revient de maladie, là. Il se remet d'une chimio un petit peu difficile, donc il faut lui laisser un peu de temps pour retrouver le niveau de jeu. Sargent toujours aussi serein. Donc en ligne, absolument fabuleux. Comme problème que nous suivons à Mont-Domenech. David Varillon qui carbure à la merde chéché. Regardez. Voilà. Pour la victoire, rien de meilleur. Très bon pour la santé. Merde séchée. Séchée 3 semaines, rouler dans du papier journal, le mettre au garage, température ambiante. David Varillon qui semble s'être adapté à son nouvel environnement de Grazac. Tout à fait. Une commune avec environ 3,5 habitants. Voilà. D'ailleurs, je suis invaincu dans la commune au niveau du ping et je compte bien rester longtemps. Il y a un handicapé et une femme. Voilà. Oh, c'est un miracle, c'est un miracle. Allez. Là nous avons Nicolas Sardin en plein match. Il mène à 7 à 0. Service au coude. Alors que sur la table d'à côté, nous avons le challenger Pierre Murat qui joue contre un classé 9. Donc Pierre Murat qui n'est pas favori sur ce match, mais qui pourrait peut-être arriver à faire douter son adversaire. C'est vrai que c'est pas tous les jours que l'on joue un joueur classé 9. Et on sent une certaine tension, une certaine pression dans le champ de Pierre Murat s'il s'impose sur le service gagnant théoriquement. Non, il n'a pas pu faire 2 topspin quand même, 3 topspin, 4 topspin frappés pour terminer. Très très grand joueur. Nous retournons sur la table à côté. Attention, le match va commencer. Nous allons vous faire vivre les quelques premiers points. Et puis nous retournerons sur le match d'un côté où Nicolas Sardin mène 2-7 à 0. Match beaucoup plus intéressant. Attention. Service. Nous allons là. Voilà. Voilà donc l'adversaire qui varie très bien sa coupe. Et donc le top coup droit était dans le mur. Pierre Murat qui est un jeune joueur n'a pas vu les effets. Un partout, ça supprime ainsi 4-3. Allez, Pierrot. On va laisser ce match minable et se tourner un petit peu du côté de Nicolas Sardin. Nicolas Sardin qui égalise à 3 partout dans ce troisième set, qui normalement devrait s'imposer assez facilement. Joli bloc en ligne, il allait à chercher, mais il commence un petit peu à vieillir aussi. Donc, il a du mal sur certains blocs miracles comme celui-ci. Anaïs, Pierre Murat qui fait Anaïs. Son adversaire du jour n'a pas l'air bien en forme. C'est étonnant que Pierre Murat mène aussi facilement. Il est en train de réaliser la perf du jour, une perf à 9. Qui ne doit pas lui permettre de monter au classement ATP. Non. C'est minable.
Il laisse jouer son adversaire et donc derrière n'arrive pas à accélérer. Alors que Pierre Murat vient de gagner son premier set. On écoute le coaching. Là, ce gars-là, il est numéro. Après, tu vois, il est en l'air. Numéro. D'accord. C'est pas en jouant comme ça que tu peux gagner. Ouais. D'accord. Il va se s'adapter à ton jeu. D'accord. Tu as deux solutions. Soit tu sailles de tous les côtés. Tu sailles de tous les côtés. Ou tu changes de main de temps en temps. Histoire de faire que des coups droits. Je vais essayer de brouiller les pistes. Voilà. Si tu fais que des coups droits, ça. Nous remarquons que Jérôme a très très bien coaché Pierre et on espère que ça va payer pour ce match. Il va passer. Je crois que tu t'en fais contre les jambes. Tu peux essayer comme ça. C'est minable. On va écouter le coaching. Qui mettent du jeu, tu le poses le jeu. Tu sers court, il démarre pas, il remet long tout le temps. Tu démarres, tu poses ta balle, tu vas avec ton placement à chaque fois. D'accord. Sans prendre des trop trop gros risques. Ton premier top, un coup tu le mets un coup tu le mets dans le trou, tu fais jamais la même chose. Mais c'est toi qui fais le jeu. C'est-à-dire que lui ne peut pas démarrer, toi tu démarres et tu sors trop trop dans le trou. Vraiment Dominique au fond. Nous allons goûter la merde séchée. C'est curieux parce que cette merde elle est un petit peu salée. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, un petit goût salé. Comme un mec qui aurait mangé des chips, tu vois. Voilà, ouais. Sinon, Nicolas Sardamen 7-6. Je pense que je vais y retourner, la merde séchée. Voilà. Allez, Nico. Merci Audrey pour cette merde séchée. Ouais, c'est un fourneau cette salle. C'est un fourneau. Ouais. C'est où? En tout cas, Monsieur Varillon marque son départ d'une belle victoire. Et encore une prestation, on va dire convaincante. En demi-teinte. C'est vrai que c'était en demi-teinte, mais il gagne ses trois matchs. Je suis content de laisser mon club dans la division. Où tu l'as amené. Où je l'ai amené. Bravo. Et donc. J'espère qu'on sera encore dans le championnat, histoire de vous mettre des petites fessées. Ça sera assez exceptionnel. Trêve de mauvaise foi, Monsieur Varillon, bravo pour toutes ces années. Merci, capitaine. Pas ton jubilé. Monsieur Besset. Bah écoute, je pensais faire un petit commentaire, mais vu qu'il y a l'apéro. Ah, ça y est. Ah bah voilà, Monsieur Besset, à partir du moment où il y a du Ricard, c'est terminé. Donc on repassera. Moi je suis très fier de Rémi, parce qu'il a fait un double mémorable, énormissime en double. Et je pense que j'aurais jamais gagné sans lui. Je le reconnais, il a joué tout seul. Mais Rémi aussi, il a joué sans personne aujourd'hui, on a l'impression. Sans lui-même. Il était une ombre sur le terrain. Rémi sans famille, quoi. C'est ça. Je vais péter en l'air. Monsieur Varillon qui démarre la bombe à gaz. Voilà, on devrait décoller d'ici 3 quarts d'heure. Éteignez vos cigarettes, j'ai allumé la bonbonne. Putain, on va péter. C'est parti. Enfin, j'ai envie de dire hippie pour, hein. Mais je sens que personne n'est réceptif. Mais là, tu sais quoi, je suis en train de penser à un truc. Ça se trouve, on s'est trompé dans nos calculs. Il fallait gagner 16. On est... ah, t'imagines. J'entrevois à l'avance mes chances pour le paradis. J'aperçois ma confiance au loin qui rétrécit. Mais comment fait-on quand on ne pense plus? Comment fait-on?